Citation de l'exégèse du Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, l'exégèse de Sourate al-Fatiha qui est mécoise. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Au nom d'Allah, c'est-à-dire je commence par tous les noms d'Allah, car le mot « nom » est un singulier annexé à Allah, et le singulier annexé en arabe permet d'englober tous les plus beaux noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est celui qui est adoré, et qui est le seul à mériter l'exclusivité du culte, car il a les attributs de perfection. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les deux noms qui indiquent qu'Allah le très haut a une grande et large miséricorde qui cerne toute chose et qui englobe tout être vivant. Il l'a écrit pour les pieux qui suivent ses prophètes et ses messagers. Ceux-là auront la miséricorde sans restriction, alors que tout autre qu'eux n'en aura qu'une partie. Et sache que parmi les règles qui font l'unanimité chez les prédécesseurs et les grands imams de cette communauté, il y a la croyance dans les noms d'Allah et dans ses attributs. Par exemple, ils croient qu'il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Il a donc une miséricorde dont il est caractérisé et qui est liée à celui envers qui il est miséricordieux. Ainsi, tous les bienfaits sont des traces de sa miséricorde. Et on dit de même pour le reste de ses attributs. On dit de l'omniscient qu'il est omniscient et ayant une science avec laquelle il connaît toutes choses. Du puissant qu'il a une puissance avec laquelle il est capable de tout.